Aujourd'hui, je vais partir en expédition de Fribourg jusqu'à Bâle en kayak. Regardez le kayak que je transporte derrière moi. Et nous voilà presque prêts à partir. Ah, j'ai jamais vu aussi calme cette rivière. Et nous voici à côté des grottes de la Madeleine. Alors, devant nous un cormoran qui est en train de sécher ses ailes au soleil. Ah, il vient de s'envoler. Et voilà, on traverse notre premier barrage. Trop difficile d'accéder, donc on doit marcher. Alors, c'est bien les aventures avec Challenge 50. C'est incroyable. Donc, on passe par là, c'est ça? Ouais, on va porter les kayaks, on va descendre ce petit sentier. Et on va entrer dans l'eau ici. Et ben voilà, nous voilà dans un énorme volume d'eau. Bon, on arrive au deuxième barrage, là on doit de nouveau sortir, porter le kayak. Il y a la pluie qui a commencé à tomber, mais ça rafraîchit, c'est pas un problème. Magnifique arc-en-ciel. Alors on galère à fond, hein. On fait que de marcher depuis déjà 3 km. Alors première nuit de camping terminée. Et voilà, prêt pour le deuxième jour. Rousseau, parce qu'il a habité sur l'île Saint-Pierre. Je pense au prochain barrage, on s'arrête puis on bouffe ce qu'on a acheté. Alors nous voilà arrivés à Soleure, on fait une petite pause. Il y a un gros orage, il pleut beaucoup. Et là on est en train de prendre une grande décision. Soleure, c'était pas la destination du jour. C'était une étape intermédiaire. Mais vu la météo, on va continuer sur les 4 jours, mais raccourcir un tout petit peu. Nouvel objectif, aller jusqu'en Allemagne en kayak. Et nous voici prêts pour le troisième jour. On a super bien dormi, on a bien mangé hier soir au restaurant. Il faisait un temps de merde, mais c'est pas grave. Là, il y a du soleil, ça va être une journée sympa. Un peu plus court que prévu. On terminera, je pense, en milieu d'après-midi au lieu de terminer le soir. Alors, on est à Soleure. L'objectif du jour, c'est Harburg, un autre camping. Là-bas, on pourra un peu profiter de notre journée. Un petit peu de baignade, je pense, aujourd'hui. Hein. Profiter. Je pratique le kayak depuis l'âge de 15 ans. J'aurais bien aimé faire de la compétition, mais diverses circonstances ont fait que j'ai choisi le triathlon à la place. J'adore regarder des expéditions en kayak, des descentes de rivière, et l'idée m'est venue de moi-même faire une de ces aventures. J'ai pensé initialement faire la descente d'une rivière depuis sa source jusqu'à la mer, mais cela aurait pris trop de temps et ça aurait été très compliqué avec mon travail. Donc j'ai préféré faire une traversée de la Suisse avec comme départ Fribourg où se trouve mon kayak et l'arrivée Bâle, la dernière ville suisse. Alors ce parcours commençait dans le lac de Schifnen, qui est formé par la Sarine, qui se jette dans l'Aar, qui traverse le lac de Bienne et continue jusqu'au Rhin. J'ai traversé plein de villes que je connaissais en grande partie. Toutefois, c'était extrêmement intéressant de changer de point de vue. D'habitude, on est en ville et on observe la rivière. Et cette fois, j'étais dans la rivière et j'observais les villes et la nature avoisinante.
Et voilà, on arrive au premier barrage de la journée. Alors ça va être sorti à droite pour les Goumi Beautés. Alors nous on n'est pas des Goumi Beautés, mais ça ressemble les kayaks. Allez, on va sortir par la droite. Pour les gros bateaux, c'est par la gauche. Voilà, un barrage de la compagnie Alpic. Bon, comment on va s'y prendre? Je vais voir par de l'autre côté. C'est là le débarcadère. Hein? Non mais c'est là la sortie hein. Bon, faudra un petit peu d'équilibre. Je pense qu'on va sortir là. Alors nous voici à Wangen an der Aare. C'est là que mon fils a fait son école de recrue. Et j'ai aussi fait plein de formations militaires dans la caserne ici, dans les troupes de sauvetage. Il est lourd, je te dirais, il y a tranquille, facture. À quoi que ça va comme ça? Ça change quand même. En fait, il est pas si lourd que ça, ce kayak. Oh, c'est... Ce qui est lourd, c'est toute la réserve d'habits pour le soir, la discothèque, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ton stop. Hop là. Voilà. Oh, là, je monte. Bien que les cours d'eau traversés soient très urbanisés, il restait beaucoup de nature et c'était super relaxant.
Alors me voici arrivé à Holton. C'était pas du tout la destination prévue, mais en fait j'étais en train de filmer le château de Harburg qui est magnifique et j'ai complètement loupé la sortie pour le camping. Ensuite il y avait des rapides tellement violents que c'était impossible de revenir en arrière, en tout cas pas avec mon niveau. Et donc j'ai continué jusqu'à la première sortie possible et c'était à Holton. Donc maintenant j'en ai pour une heure de marche pour arriver au camping. Ben voilà, quand on aime l'effort, on compte pas. Bon, j'apprécierai ça de plus la douche. Et voilà, dernier jour de cette expédition, j'ai très bien dormi. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, programme différent. Je vais partir seul. Mon fils Grégory va rejoindre mon pote. Et ils vont s'occuper de la logistique, pouvoir me filmer, pouvoir transporter mon matériel. Je vais donc naviguer en mode sportif, ultra léger, en allant beaucoup plus vite. Et je pars beaucoup plus tôt que d'habitude. Et je vais essayer de faire un maximum de kilomètres pour aller le plus loin possible, au moins jusqu'en Allemagne. Et si possible, quelques kilomètres sur le Rhin. Au niveau de la météo, durant ces 4 jours, on a eu un peu toutes les saisons. On a eu très chaud le premier jour, quelques averses. Le lendemain, il pleuvait beaucoup en fin de journée avec des très gros orages. Le troisième jour était bien ensoleillé. Et finalement, au matin du quatrième jour, j'ai même eu du brouillard. Alors déjà 25 km, ça avance bien. Le plus pénible c'est le passage de barrage, il y a beaucoup de barrages. Après c'est aussi un peu stressant l'entrée dans l'eau, je vais vous montrer par exemple ici. Il y a pas mal de remous, il faut faire ça vraiment avec prudence. Pour la nutrition, j'ai choisi des aliments très riches en calories car j'avais peu de temps pour m'arrêter pour manger. J'ai principalement mangé des noix, des fruits secs, du pain, de la viande séchée, du fromage.
Durant cette aventure, j'ai traversé mes premiers rapides. Jusqu'à maintenant, j'avais surtout navigué sur des lacs et des cours d'eau assez calmes. Et la traversée de ces premiers rapides a été très intense. J'ai dû être attentif à chaque instant pour éviter de tourner, car j'avais mon matériel de tournage et j'aurais pas du tout aimé perdre ma GoPro au fond de la rivière. Alors, petite frayeur pour la traversée de Brougue. Il y avait vraiment beaucoup de courant. J'ai jamais été, c'est la première fois de ma vie que je vais dans autant de courant que ça. La jupette n'était pas super serrée pour être plus à l'aise, mais ça a fait qu'il y a plein d'eau qui est entrée dans le kayak. Donc maintenant, je vais devoir vider le kayak.
J'ai vraiment adoré cette aventure et je rêve d'en refaire une. Je suis en train de réfléchir à d'autres projets. Alors, me voici en Allemagne. Objectif atteint. Je suis parti de Fribourg. J'ai descendu la Sarine, ensuite l'Aar, finalement le Rhin, et je suis en Allemagne. Alors maintenant, je vais retraverser le Rhin. Un fleuve vraiment très impressionnant, très très large. Regardez ça. Hop. Et je vais sortir à Leibstadt, où il y a mon fils Grégory, sa copine et mon ami qui a fait les trois premiers jours avec moi, qui m'attendent. Voilà, presque terminé. C'était une super expérience. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura plein d'autres aventures. Et mettez un like aussi, ça fait toujours plaisir.
voilà, arrivé à destination. Eh oui. Derrière nous, c'est l'Allemagne. C'était vraiment une belle aventure. Eh ouais. Voilà, l'année prochaine, jusqu'à Rotterdam. Ouais, alors ça... Attention, la star va nous faire un backflip. Il va éviter de terminer dans le barrage, qui n'est pas très loin, regarde, ouais, il est juste là, tu vois. Alors, n'oublie pas de nager après. Ouais. Tout va bien, mais... C'est pas grave. Bon alors, il n'y a pas 11 mètres, hein, comme tu vois. Oh purée. Oh. Ouais, j'ai tapé le fond. Ça c'est dangereux, on voit pas grand chose. Hein. Voilà, c'est comme ça que se termine notre aventure. Heureusement, c'est pas terminé sur la tête. A bientôt. Mais de cette épopée, je vais déjà éteindre ma montre. Aujourd'hui, 65 km. Voilà, donc tu avais besoin d'une assistance, c'est pour ça que j'ai préféré le faire en voiture le dernier. Ouais, je voulais aussi avoir. Aller plus vite en étant plus léger et puis quelqu'un qui puisse me filmer. Et ouais. Et voilà, donc belle épopée, 4 jours, quasiment plus de 200 kilos, hein, ça fait. Environ 200 moins, kilos. Plus ou moins 200 kilos. Fribourg, Allemagne. Impressionnant, des moments assez impressionnants quand même. Et puis il y a des paysages assez beaux, des passages de petites villes très sympathiques, un peu médiévales. Des châteaux. On a vu des châteaux. Plein d'animaux aussi. Ouais. J'ai pas pu tous beaucoup les filmer. Beaucoup d'oiseaux. Hein. Beaucoup d'oiseaux. J'ai même vu un renard aussi. Renard que j'ai pas pu filmer. Martin pêcheur que j'ai pas pu filmer. Et le reste, j'ai essayé de filmer du mieux que je pouvais. Deux, trois crocodiles. Ouais, les crocodiles aussi. Voilà, à bientôt. Le monstre du Loch Ness en plus. À tout bientôt.